Altérophilie, accessibilité, rapport qualité-prix, Reebok nous a fait un beau produit. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. À qui est destinée la Reebok Lifter PR2 On va voir ça immédiatement. Lifter PR. Alors, une grande histoire. Moi, j'ai commencé le CrossFit et l'altéron avec ce modèle, le premier modèle, la Lifter Pair. J'en étais très content et euh, pourquoi j'avais dirigé mon choix sur ce modèle Eh ben c'était super simple, c'est qu'elle était pas chère et qu'elle faisait très bien le boulot. Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a une version 2 et c'est toujours le même public qui est visé, c'est-à-dire un très bon rapport qui était pris pour les débutants et éventuellement aussi les confirmés. Pourquoi les confirmer Je reviendrai dessus. Cette vidéo est non sponsorisée. J'ai acheté cette paire de chaussures chez Reebok à un prix de 100 euros Donc elle est vraiment abordable comparée à une chaussure d'haltérophilie bah, à sa grande sœur. Euh, je te mets le lien juste là qui coûte 180 euros. Euh, c'est quand même presque le double Donc là, euh, si c'est ton budget qui dirige Une PR2 sera plus avantageuse Cette lifter fait 400 grammes Contre une ligne ici qui fait euh, presque 600 grammes Donc euh, on est beaucoup moins massif Même visuellement, vous le voyez euh, Elle fait presque basket classique Quand tu la mets au pied euh, Tu n'as pas l'impression d'avoir un monstre Ceci dit, tu as quand même des chaussures d'altéro. Tu as cette sensation euh, botte de ski euh, où euh, il y a vraiment euh, une emprise au sol euh, assez large avec un talon très très raide en parlant de talon, on est ici sur une hauteur de talon de 15 mm contre la Legacy à 22 mm donc tu vois ça fait vraiment une très grosse différence c'est là où j'en reviens à ce que je disais au début si euh, peut-être tu es un haltérophile confirmé que tu n'as pas forcément besoin d'un drop de 22 euh, tu vas peut-être te diriger vers ce type de produit avec euh, 15 mm parce que tu as assez de mobilité de cheville et ça te permet de ne pas aller si haut que ça. Et au passage, de bah, faire des économies hein, également. Euh, pour un débutant, bah, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de passer de suite sur des chaussures euh, hors de prix, il hein, faut dire ce qui est, et, euh, et en plus de ça, à des hauteurs pas possibles, là on est sur un entre-deux, sur du 15 mm. Pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui ne connaissent pas les drops. On est euh, sur du 3-4 mm, 5 mm quand on est sur de la chaussure de crossfit. Voilà. Sur des baskets de run, le grand standard ça a été pendant des années le 12-13 mm. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 10-8 mm. Si tu apprécies cette analyse, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je continue sur sa tige. La tige est en toile, respirante. C'est pas oufissime, c'est plutôt flex. J'en viens à venir un petit peu à l'arrière de la tige, au niveau du talon. Euh, c'est là où il va avoir bah, les premières remarques. C'est que bon, ça manque un peu de maintien à l'arrière de celle-ci. Euh, la tige est assez souple. Bah, cette souplesse, elle va être intéressante si tu es amené à wod avec, c'est-à-dire si tu es amené à faire tes entraînements en plus de ton haltérophilie. Donc là, ça va venir. Complètement concurrencé salle Valéos ici le lien si tu veux la voir, euh, parce que bah, elle va être aussi polyvalente quelque part dans le monde du crossfit, dans le monde de l'altero manque un peu de maintien. Parlant de maintien, maintien on a un énorme scratch au centre de, du, euh, du pied euh, qui fait lui très très bien le travail et en plus un truc que j'ai adoré. C'est le fait qu'elle ait les chiffres au niveau du scratch. Et ça, ça te permet de faire un réglage aux petits oignons à chaque fois. Voilà, ça vaut pas le bois non plus. Hein. Moi, j'aime bien le bois. Euh, mais là, là vraiment, on est, on est toujours avec le même, le même serrage. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Juste en dessous, on a les lacets qui, eux, sont super, super classiques. Rien de particulier à plat, sans élastique. Euh, une languette qui est complètement libre à l'ancienne. Euh, bon, c'est Reebok, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, regarde la X2, là, juste là. C'est pareil. Hein. Donc, bon, Reebok n'aime pas les languettes semi prise clairement. Puisque je suis à l'intérieur de la chaussure, il y a une belle semelle de propreté, un peu épaisse, que tu peux changer si tu le désires, puisqu'elle est décollable et collée d'origine. Le grip extérieur, quant à lui, fait très très bien le boulot sur le parquet et ailleurs également. Euh, franchement, il grippe bien, il n'y a pas de souci évidemment. C'est pas fait pour aller te promener sur le bitume ou euh, tu vas pas faire un road avec du run avec ces chaussures. Hein. On est bien d'accord. Hein. Tu veux éventuellement se faire un peu de corde à sauter, euh, des box jumps, euh, des HSPU, euh, mais tu vas pas aller te, te promener dans la rue avec parce que là, ça bastonne violent. La semelle intermédiaire est en EVA, donc mousse un peu plus classique, qui euh, qui résiste bien à la charge. On peut y mettre pas mal de charge dessus sans déformation, donc elle est consistante. Elle est bien dure, elle fait vraiment son boulot correctement. Conclusion de cette lifter PR2. Très très bonne chaussure pour un débutant. Si tu attaques l'haltérophilie. ou euh, si tu as déjà un petit niveau en altéro et que tu veux aller chercher plus loin, tu peux prendre cette chaussure que tu trouveras sans doute sur les réseaux un peu moins cher que 100 euros. L'altérophile un petit peu plus confirmé, lui, euh, s'il si veut un drop avec 15 mm, eh ben voilà, tu as trouvé ta chaussure. Parce que le 15 mm, il est assez rare. Et euh, sinon, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de concurrence hein, dans ce milieu-là. Donc, euh, donc, moi, je te dirais, c'est confirmé. Tu peux y aller les yeux fermés si tu ne veux pas rentrer dans la chaussure ultra spécifique. Parce qu'elle fera très bien son travail de polyvalence dans le monde du crossfit, en tout cas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un régal de te répondre. En attendant, je te dis, Altéro, bonbon. Et saucisson, portez-vous bien surtout.